Bonjour à tous, bonjour à toutes. Me revoici pour une nouvelle vidéo. C'est le pervers narcissique qui a besoin de vous. Alors, je vais vous expliquer pourquoi le pervers narcissique a besoin de vous. Alors, à but pratique, je vais utiliser le masculin, mais ça peut aussi être une femme. Hein. Ça peut être homme ou femme pervers narcissique. Aussi un avertissement, mon langage sera un peu cru, donc cette vidéo est à conseiller si vous avez moins de 18 ans, c'est pas très conseillé d'entendre mon langage qui sera là. Voilà. Alors, le pervers narcissique a besoin de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le pervers narcissique, au début de la relation, tout va être beau, tout va être parfait. Ça, tout le monde le sait, en principe, c'est toujours le même schéma qu'ils utilisent. Simplement, il faut se poser la question, pourquoi le pervers narcissique a comme ça besoin de vous? Il a besoin de vous parce qu'il vous admire, parce que sans vous, il est rien. S'il n'a pas de proie, s'il n'a pas de victime, il n'a pas de proie, il n'est rien du tout. Sans proie, ben, il est plus que malheureux, il est au fond du trou, c'est le pire du pire pour lui. Mais on va pas le plaindre. On ne va pas le plaindre parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert dans leur vie. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert de plein de choses dégueulasses. C'est pas pour autant qu'ils font ça. C'est pas, on veut pas plaindre le pervers ou la perverse narcissique. Simplement, c'est pour vous expliquer que s'il vous a choisi, c'est qu'il vous admire sur certaines choses. Il aimerait par exemple être heureux quand vous êtes heureux, mais lui peut pas être heureux. Et ça, il va le jalouser. Il aimerait avoir l'empathie que vous avez, mais ça, il ne pourra jamais l'avoir. Et puis ça aussi, ben, il va vous jalouser. Il aimerait avoir votre intelligence, parce que si vous a choisi, c'est pas pour rien, c'est aussi par rapport à votre intelligence. Et ça, l'intelligence, il en a une, mais c'est de surface. C'est son intelligence de manipulation, mais c'est pas quelqu'un d'intelligent. Il veut faire croire à tout le monde qu'il est intelligent, mais il n'est pas intelligent. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que vous êtes la pièce maîtresse du pervers narcissique. C'est-à-dire que sans vous, il est rien du tout. C'est qu'une pauvre merde, c'est qu'un petit con. Voilà, pour être un peu cru, voilà. C'est une sale bête, quoi. Voilà. Pour le comparer à certains animaux, mais bon, voilà. Encore du respect pour les animaux. Voilà, mais tout ça pour vous dire que si vous êtes dans ce schéma qui est totalement destructeur, si vous êtes sous son emprise du pervers narcissique, il faut partir. Ça, c'est la seule solution, partir. C'est pas toujours évident, vous avez des enfants, une maison, il y a des associations qui peuvent vous aider, et puis tout. Faites ça, il faut partir, il faut pas rester, il faut fuir ce genre de personne. Voilà. Voilà ce que je voulais dire à propos des pervers narcissiques, parce qu'il y a beaucoup de demandes ces temps, il y a beaucoup de. Apparemment, il y a de nouveau beaucoup de problèmes avec ces sales bêtes. Et bah, comment faire quand on est en contact avec une de ces sales bêtes? Bah, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Alors, moi, ce que je conseille aussi, c'est une psychothérapie. Lui, c'est lui qui devrait y aller, pas vous. Mais ça peut faire du bien si vous tombez sur un psychiatre. Qui saura vous écouter, ou même un médecin traitant peut être très très bien dans ce cas-là. Moi, la première fois, c'était un médecin traitant. Il était très bien. Donc voilà, tout ça pour vous dire que il faut vous faire aider, il faut en parler. Ça, c'est très important, il faut en parler à vos proches, à des gens que vous avez confiance. Peut-être qu'ils vont vous croire, peut-être pas. Ça dépend s'ils sont en contact au niveau familial. Peut-être qu'il aura retourné votre propre famille contre vous. Ça, c'est possible. C'est très possible. C'est vraiment les pires ordures possibles et inimaginables. Ils peuvent même retourner votre propre famille contre vous, hein. Ça, il faut faire attention. Mais bon, normalement, votre famille, si elle vous connaît bien, elle doit faire la part des choses et se dire, non, c'est pas possible. C'est pas possible ce qu'il raconte ce petit connard, quoi. Cette petite connasse. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Et encore merci, merci à tous. La chaîne fonctionne merveilleusement bien. C'est grâce à vous, merci, merci, c'est grâce à vous tout ça.
Si vous voulez vous abonner, pouvez vous abonner. Pouvez-vous désabonner, la même chose. Vous pouvez activer la cloche de notification, c'est toujours le même principe. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Merci beaucoup. Bye bye. Merci.